Bonjour, alors Corinne Boivin, je me présente, je suis conseillère aux ressources humaines pour Transcol ici depuis peu de temps par contre. Alors, il me fait plaisir de présenter l'entreprise pour vous cet après-midi. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter la petite vidéo qui apparaît dans notre kiosque et qui démontre bel et bien, là, fait un bon topo de notre entreprise pour commencer. Par la suite, là, je vais miser sur certains points, là, accentuer sur certains points de notre entreprise. Donc, je vous partage mon écran et je pars la petite vidéo pour que vous puissiez bien voir là, qui nous sommes et depuis combien de temps nous sommes ici. Alors, je commence tout de suite. Septembre 1994. Les camions de Transcol commencent à sillonner les routes du Québec. Le démarrage de l'entreprise s'est fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean par 6 entrepreneurs actionnaires. Le siège social est situé dans le parc industriel de Jonquière depuis ses tout débuts. L'idée de se lancer en affaires est partie de la passion qu'avaient ses actionnaires pour le transport ainsi que de la volonté d'offrir un service inégalé dans la région. Le transport est un maillon important de l'industrie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il était donc naturel que Transcol demeure, après toutes ces années, une entreprise 100% régionale. Au fil des ans, Transcol s'est bâti une solide réputation dans la région et même au-delà de ses frontières, grâce à son service exceptionnel et à sa grande polyvalence. En effet, bien que l'entreprise ait fait ses débuts dans la livraison de colis et de messagerie, elle peut désormais être fière d'offrir tout un éventail de services de transport, de logistique et d'entreposage. Transcol a bien évolué depuis ses débuts. Ces opérations couvrent autant le colis, le transport de charges partielles, le transport spécialisé, remorques ouvertes et hors normes, que l'entreposage intérieur et extérieur. L'entreprise gère un parc de véhicules d'une valeur de plus de 17 millions de dollars et qui comprend quelques 50 tracteurs, 45 camions porteurs, 105 remorques et quelques véhicules d'escorte. Les employés ont toujours été au centre de la réussite de Transcol. Les valeurs de respect et de famille, bien présentes dans l'entreprise, sont chères au cœur des propriétaires et de la direction. Prendre soin des employés, c'est prendre soin de son entreprise. Transcol a toujours mis ce principe de l'avant. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec toutes ses succursales vertes qui couvrent des endroits éloignés tels que Sept-Îles, Chibougamau, Baie-Comeau, il est primordial de demeurer en contact constant avec nos équipes. Par ailleurs, afin de toujours offrir la meilleure expérience à ses employés ainsi qu'à sa clientèle, Transcol a rapidement pris le virage technologique. Un système intégré de gestion des opérations a été implanté, ainsi qu'un système de télématique à la fine pointe de la technologie. Après plus de 25 ans d'opération, Claude Hubert et Alain Corneau demeurent à la barre de l'actionnariat de Transcol. Leurs valeurs et leur vision ont mené Transcol à devenir l'un des fleurons régionaux dont nous pouvons tous être fiers. Alors voilà pour la petite vidéo. Alors comme vous pouvez voir là, notre direction est très 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 familiale. On a un beau groupe. Vous avez vu entre autres quelques employés, les répartiteurs, notre président, directeur des opérations. Donc pour nous là, l'aspect familial est très important. Durant la COVID, bien sûr là, il y a eu quelques temps mort au sujet à propos des activités offertes à l'extérieur, mais tranquillement, pas vite, on reprend nos activités extérieures là, pour justement se rencontrer et fraterniser à l'extérieur du travail. Donc, pour faire un petit topo au niveau de notre mission, alors Transcol a une mission là, qui se distingue vraiment par son professionnalisme. On veut offrir un service de qualité et on veut des gens dans notre équipe professionnelle. De plus, comme vous avez pu remarquer un petit peu dans la vidéo, nos employés sont vraiment notre plus grande richesse. Beaucoup de programmes de reconnaissance ont été instaurés à l'intérieur de l'entreprise, des reconnaissances au niveau de l'ancienneté, des reconnaissances au niveau d'une type
tape dans le dos à notre collègue. Donc, ça fait partie de nos valeurs. Donc, évidemment, on a une vision. C'est d'aller chercher de nouveaux marchés. Présentement, c'est peut-être un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a besoin de gens et qu'on a besoin de toi, si on peut dire ça comme ça, avec nous à l'intérieur de notre entreprise. On veut faire accroître notre rentabilité, on veut soutenir notre croissance. Alors également, on cherche des gens avec des valeurs communes à nos valeurs à l'intérieur. Donc, la confiance, la passion, on veut des passionnés du transport, des camions lourds. On veut également des gens qui sont respectueux. On veut aussi des gens qui sont efficaces. Et puis, évidemment, on travaille en équipe. On a un grand là, sentiment d'appartenance, grand sentiment de travail d'équipe ici à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, on recherche des gens qui ont ces valeurs-là également. Juste pour vous faire un petit topo de l'entreprise, on a maintenant 4 terminaux, donc c'est possible là, pour vous de travailler non seulement à Jonquière, mais de travailler également à Chibougamau, à Baie-Comeau et à Sept-Îles. Donc, 160 employés en tout, une flotte d'à peu près 200 camions. Donc, on a plusieurs services, petits colis hors normes, charge entière, remorque chauffée, camion plateforme. Et puis, voilà, classe 5, classe 3, classe 1, bien évidemment. Et puis, des caristes également, manutentionnaires, voilà, l'intérieur de l'entrepôt. Pour faire une petite conclusion à tout ça, on offre également une gamme d'avantages sociaux très, très, très concurrentiels. On a le fonds de pension, on a les assurances collectives qui sont maintenant modulaires avec un programme dentaire. Donc, si pour toi, ça t'intéresse, tu le prends, ça ne t'intéresse pas, tu le prends pas. Également, on paye les uniformes à nos employés qui sont renouvelables annuellement. On a des journées de congés mobiles, des fériés. Notre salaire vient d'être bonifié de 2 $ de l'heure à la grandeur de nos succursales. Et on a également des beaux programmes conciliation travail-famille parce que présentement, c'est le nerf de la guerre, évidemment. On veut que nos employés soient bien, qu'ils soient aussi présents avec leur famille. On offre des semaines de travail 40, 50, 60 heures pour ceux qui font de la longue distance. Donc, ça fait partie là, d'une semaine normale chez nous et on s'adapte très bien à ce que l'employé veut faire. Donc, un employé qui veut faire 40 heures semaine, on va essayer d'adapter son horaire en conséquence. Alors, on accueille nos employés chaleureusement. On a 2 belles journées d'accueil pour nos employés. Alors, si vous êtes intéressé par Transcol, eh bien, n'hésitez pas à postuler sur notre site recrutement à commercial transcol.ca, également via notre page Facebook. Et puis, vous pouvez également postuler sur notre onglet carrière sur notre site web transcol.ca. On vous attend les bras ouverts, alors n'hésitez pas, c'est le temps de vous en venir avec nous. Merci beaucoup de votre temps, alors espérons recevoir votre candidature très prochainement.